Bonjour, moi c'est Anne-Christelle, donc je suis cofondatrice et CEO de BIM. BIM a pour ambition de devenir le leader mondial sur le marché des restaurants premium. C'est un marché qui est global et qui représente plus de 150 milliards de dollars. On se positionne sur trois des quatre verticales de la food tech. La première, c'est la discovery. Deuxième, c'est la réservation. Et la troisième, c'est le paiement. L'application offre une expérience utilisateur unique dans la mesure où elle permet d'une part de visualiser les disponibilités des meilleurs restaurants en temps réel, de les réserver instantanément et même de payer l'addition in-app. BIM repose sur une idée originale et s'est construit au contact d'une part de ses clients et d'autre part de ses restaurateurs. Du côté client, le besoin que l'on cherche à résoudre, c'est simplement de faciliter l'accès à des tables qui sont perçues comme inaccessibles. Aujourd'hui, plus de 90% des tables premium sont réservables uniquement par téléphone. Or, on le sait très bien, aujourd'hui, on n'a vraiment plus envie de passer autant de coups de fil qu'avant. D'autre part, les restaurateurs. Ils sont victimes de jusqu'à 20% d'annulations de dernière minute et ça représente une perte sèche pour eux dans la mesure où ces tables sont souvent laissées vacantes. Aujourd'hui, le but de BIM, c'est vraiment de mettre en interaction instantanée, d'une part les clients et les restaurants. Aujourd'hui, c'est ce que nous avons réussi à faire à Paris, avec plus d'une centaine de restaurants qui sont parmi les plus prisés de la capitale. Notre ambition, c'est de faire la même chose dans le monde entier, avec en premier lieu les grandes capitales internationales. Donc aujourd'hui, on a la chance d'être dans un bon timing. On a en quelque sorte saisi le momentum, c'est-à-dire qu'on est sur un marché qui est en mutation. La plupart des acteurs sont vieillissants sur le marché de la réservation online. Et nous, la manière dont on va disrupter ce marché-là, c'est grâce à l'expérience utilisateur et à la curation. C'est-à-dire qu'on va sur BIM retrouver uniquement des adresses qui incarnent finalement les envies et les besoins de notre clientèle. On peut compter pour ça aujourd'hui sur un réseau d'investisseurs. Ce sont pour la plupart des entrepreneurs à succès dans des secteurs très différents que peuvent être la gastronomie, le digital, le e-commerce ou la publicité. On peut compter sur une équipe soudée, unie et passionnée. Passionnée par l'envie finalement de changer le monde de la gastronomie, de faire qu'on connaisse BIM partout à travers la planète et à toutes les tables. On peut compter également sur un réseau de partenaires, donc des restaurants d'une part, et des sociétés telles que Uber aujourd'hui, l'Office du tourisme de Paris, le Guide Lebet, Widget, The Collectionist et bien d'autres à annoncer dans les prochaines semaines. Après avoir bouclé un tour de table d'1 million d'euros en 2016, nous sommes en train de boucler un deuxième tour de table début 2017 afin de scaler à l'international. Pour partir à la conquête du monde, nous recherchons des gens passionnés qui ont envie de changer le monde. Donc si vous reconnaissez dans notre motto qui est « Be sharp, be humble and be foolish », n'hésitez pas à nous rejoindre. À bientôt.